bonsoir à tous. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Voilà, merci, merci aux frères de m'avoir invité pour passer ces 3 jours avec vous. Que Dieu soit béni, c'est toujours une joie que le Seigneur me fait dans sa grâce de venir ici. Je pense à même qu'il y a déjà quelques années que le Seigneur me permet dans sa grâce. Et on voit l'œuvre qui grandit, c'est merveilleux. L'œuvre, amen, Dieu l'a fait prospérer et toute la gloire lui revient à lui. Merci Seigneur. Je voudrais ouvrir la Bible avec vous, amen, dans le livre des Hébreux au chapitre 10. J'aimerais m'entretenir sur un sujet, je ne sais pas si j'aurai peut-être, je ne pense pas que j'aurai assez de réunions pour vous expliquer bien sûr, parce que j'ai à cœur de vous parler du tabernacle. Avec la signification de chaque étape, bien sûr. Alors, vous comprenez bien qu'il va falloir que je fasse un condensé, on ne pourra pas tout dire, mais je pense avec que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Je sais que c'est une église, amen, qui est mature dans la foi, qui est assise dans la parole de Dieu, et je sais, amen, que vous aimez la parole, que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Amen. Écoutez ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Amen. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, alléluia. Amen. Amen. Hein? Que Dieu soit béni, je refais la lecture. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. J'aimerais qu'on courbe le front. J'aimerais qu'on reprie le Seigneur. Amen. Voulez-vous qu'on courbe le front, qu'on reprie le Seigneur? Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare, amen, que c'était l'ombre. L'ombre, amen, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre aussi des choses, eh bien, qui devaient venir. Vous savez, une ombre... Quand il y a une ombre, c'est parce que l'ombre appartient à une personne. Et quand on voit une ombre, vous savez, par terre, il y a la silhouette n'apparaît. On voit une silhouette qui apparaît, bien sûr, mais on voit pas le visage. Est-ce que vous comprenez? On voit seulement qu'une ombre. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Alléluia de Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Nous avons aussi, nous avons le voile, amen, qui a été retiré par rapport à l'explication de la parole de Dieu. Amen. Eh bien, on arrive, amen, à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Et le tabernacle dans le désert, c'est vraiment, frères et sœurs, c'est vraiment, amen, de A à Z. C'est vraiment une représentation de Jésus. Une représentation de Jésus. C'est aussi une représentation aussi, il y a aussi l'Église qui apparaît, et on va essayer de décortiquer petit à petit, amen, le tabernacle. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. À Dieu soit la gloire. Le tabernacle, oui, Jésus a dit, dans sa parole, dans l'Exode 25, amen, au verset 9, il dit qu'il fallait qu'il fasse, Moïse, il fallait qu'il fasse, amen, d'après le modèle, non pas comme lui voulait, hein, mais il fallait qu'il fasse d'après le modèle, amen, que Dieu, amen, lui avait dicté de faire. Le tabernacle, j'ai marqué ça comme ça, j'ai marqué pourquoi la tente était petite. C'est vrai, la tente, par rapport aux grandes cathédrales qu'il y a ici-bas, dans tous les villages, les villes, hein, c'est vrai que quand on compare tous ces grands monuments construits par la main de l'homme, hein, quand on contemple la tente d'assignation, eh bien franchement, elle est petite à côté. Hein? Elle est petite. Et j'ai marqué ça comme ça. J'ai marqué parce que le vrai grand, amen, le vrai grand, frères et sœurs, ce n'est pas l'édifice. Alléluia. Le vrai grand, c'était celui, amen, qui était là au milieu par sa présence. C'était Dieu. À Dieu soit la gloire. Pourquoi la tente était petite? Parce que Dieu veut, amen, se différencier
au temple et au temple païen, parce que le vrai grand, j'ai marqué ça comme ça, le vrai grand c'est lui. La tente de l'extérieur, elle ne payait pas de mine. C'est vrai, pour ceux qui sont allés en Israël, ceux qui sont allés au parc là de Tipna, vous voyez à un certain moment la tente de loin, et elle se forme même dans le décor. Parce qu'elle n'a rien pour attirer, elle n'a rien pour attirer les regards. Parce que Dieu veut, amen, Dieu veut, amen, se dévoiler, alléluia, c'est, Dieu veut se dévoiler, amen, à tous ceux qui s'approchent de lui. La tente de Noël, elle n'avait rien pour attirer le regard. Mais quand on rentrait à l'intérieur, amen, on découvrait l'or. L'or était là. Laissez-moi dire quelque chose, que ceux qui vivent l'évangile de loin, eh bien, ils ne voyaient pas grand-chose. Mais Dieu veut qu'on s'approche. Et quand on s'approche, frères et sœurs de Dieu, alors on voit la magnificence, on voit son amour, on voit sa pureté, on voit sa sainteté. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un petit peu comme Jésus. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais les gens, quand ils s'approchaient de lui, alléluia, amen, amen, ils étaient imprégnés par ce que Jésus dégageait, étaient imprégnés, amen, par l'autorité que Jésus avait, étaient imprégnés par son vocabulaire rempli de tout ça, d'amour, de bonté et de miséricorde, à un tel point qu'il y a des hommes qui se sont approchés de lui et ils ont dit ceci: jamais homme a parlé comme cet homme. À Dieu soit la gloire. J'aimerais dire ça comme ça, alléluia. Viens, amen, rentre. Arrête de voir Dieu de loin. Arrête de voir Jésus de loin. Arrête de voir la parole de Dieu de loin. Dieu veut que tu t'approches. Amen. Et si tu t'approches de Dieu, alléluia, tu découvriras son amour qu'il a envers toi. Tu découvriras la miséricorde. Tu découvriras même comment Dieu t'aime. Alléluia. Tu vas découvrir la magnificence de Dieu. Oh oui, approche-toi de Dieu ce soir. Alléluia. Arrête de voir de loin. Arrête. Approche-toi de lui. Ah, Dieu soit la gloire. Alléluia. Et quand, amen, on rentrait, amen, dans le tabernacle, de suite, amen, il y avait une porte qui était là. La porte, il n'y en avait qu'une. Il n'y avait pas deux portes. Il n'y en avait pas trois. Il n'y en avait qu'une. Ça veut dire, amen, que pour entrer à l'intérieur, il n'y avait seulement qu'un accès. Je me dis, j'aimerais dire ça comme ça. Pour entrer au ciel, il n'y a pas deux, trois, quatre, cinq portes. Il n'y en a qu'une. Et Jésus a dit, celui qui ne passe pas par moi, il ne rentre pas. Jean 10 dira que Jésus est, il est la porte. Alléluia. Et nul ne va au Père, a dit Jésus, si ce n'est par moi. Alléluia. La porte, c'est la représentation de Jésus dans le tabernacle. Jésus, Dieu avait dit à Moïse, la porte du tabernacle, tu mettras quatre couleurs. Bien sûr, nous, quand on lit comme ça, alors on voit des couleurs qui apparaissent, mais après des recherches, à Dieu sur la gloire, on voit réellement, amen, que tout, alléluia, on voit que tout représente le Christ. La porte, amen, du tabernacle, elle avait quatre couleurs. Elle avait le blanc, le bleu, le cramoisi et le pourpre. Et tu me diras, Isaac, ça signifie quoi le blanc, le bleu, le cramoisi, le pourpre? Le blanc, ça représente la pureté d'un homme. Il typifie la sainteté de Jésus qui peut vivre sur cette terre une vie humaine, sans péché. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Le blanc représente même Jésus en tant qu'homme. Et que même pas la variation de l'ombre du péché dans la terre. Alléluia. Il y avait la couleur, le bleu. Le bleu représente le ciel. Nous rappelle que Jésus est descendu. Amen. Et à côté de sa nature humaine, alléluia, il a aussi descendu avec sa nature divine. Jésus était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Amen. Alléluia. Paul, amen, va le rappeler aux Colossiens. Il dira, en lui habiter toute plénitude de Dieu. Paul va dire à un certain moment, grand est le mystère. Pourtant, croyez-moi, Paul,
Il avait un cerveau à plusieurs étages. Hein. Grâce à lui, grâce à Dieu bien sûr, mais à travers l'instrument qui était Paul, aujourd'hui nous avons la charpente de la doctrine de l'Église. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Paul, je vous promets qu'il décryptait l'indécryptible. C'est un homme, écoutez, d'une éloquence, et il avait une capacité extraordinaire. Mais à un certain moment, amen, Paul perd pied. Il dit, grand est le mystère. C'est un mystère. Il dit, mais c'est quoi ce mystère? C'est quoi ce mystère, Paul? Et Paul répond, il dit, grand est le mystère. Il dit, Jésus-Christ, homme. Il n'a pas su donner d'explication. C'était un mystère. C'est vrai. Jésus-Christ homme, c'est-à-dire la nature divine de Dieu, que la Bible déclare que cette nature-là, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Que la terre amène son marchepied. Que le ciel est son trône. Cette nature, amen, est rentrée dans son corps humain, comme le tien, comme le mien. Paul dit grand est le mystère de la piété. Jésus-Christ, homme, à Dieu soit la gloire. Alors le blanc nous parle de l'humanité de Jésus, le bleu nous parle de sa divinité. Il y avait une troisième couleur qui était là, c'était le cramoisi. Le cramoisi était une variété de rouge, de couleur sang. Qui parle du sang de Jésus, amen, qui jaillit depuis plus de 2000 ans, alléluia, et ce soir il est là, amen, pour purifier ton cœur, amen, si tu le désires, à Dieu soit la gloire, alléluia. Et la quatrième couleur c'est le pourpre. Le pourpre, amen, est une autre sorte de rouge, amen, couleur rare, qui est précieuse, réservée au roi. Elle nous enseigne que Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je vous amène après ça s'il vous plaît, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Voyez-vous cette porte, frères et sœurs, elle avait quatre couleurs, blanc, bleu, cramoisi et pourpre. Blanc représente l'homme, le bleu représente Dieu, le cramoisi représente l'agneau de Dieu et le pourpre représente le roi. Et tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que si tu veux rentrer, amen, dans le Saint des Saints, au tabernacle, là où réside la Shekhinah de Dieu, qui est l'image du ciel, amen, la porte, elle te dit, si tu passes pas par moi, tu ne rentres pas. Il n'y a pas de porte, il n'y en a qu'une. Et cette porte-là, elle a quatre couleurs. Ça veut dire, amen, qu'il faut que tu prennes Jésus, amen, tel qu'il est. Il y a des personnes qui veulent trier. Ils veulent choisir les couleurs que ça leur arrange. Ils veulent amener un Jésus comme agneau. Ils veulent un Jésus avec la couleur du cramoisi. Ils veulent amener un Jésus qui les purifie de son, avec son sang précieux. Ils choisissent aussi la couleur bleue. Ils veulent un Jésus en tant que Dieu parce que avoir un Dieu à côté de nous, c'est utile. Il nous garde, il nous protège, il nous dirige, il nous conduit. Amen, il nous guérit. Et aussi blanc. Le blanc, amen, c'est juste un tant qu'homme qui a été notre substitut en tant qu'homme. Amen, il a accompli ce que l'homme, nous, on ne pouvait pas accomplir. Alors il y a des personnes qui crient. Ils acceptent Jésus en tant qu'homme, en tant que Dieu et en tant que cramoisi. Mais ils font une sélection. Ils ne l'acceptent pas en tant que pourpre. Et le pourpre, je vous ai dit que c'est la couleur des rois. Et ça vous dit quelque chose, amen. Ils veulent d'un Jésus sauveur, ils veulent d'un Jésus Dieu, mais ils ne veulent pas d'un Jésus, amen, qui impose sa loi. Parce qu'un roi, soulignez-le ça, un roi doit régner. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et il y a des personnes qui acceptent Jésus en tant que sauveur. C'est ça. En tant que cramoisi, l'agneau, le sang. Ils acceptent en tant que Dieu, en tant que blanc, mais en tant que pourpre, ils ne l'acceptent pas. Eh bien, on ne peut pas faire de sélection. Est-ce que vous comprenez? Si on prend Jésus, on doit le prendre tout entier. Comme disait Paillon, nous voulons le Christ tout entier et la Bible tout entière. Amen.
À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Oui, amen. J'ai marqué ceci. Si tu veux rentrer, tu dois accepter, alléluia, tu dois accepter la porte telle qu'elle est. Sinon, j'ose vous le dire, hein, sinon tu ne rentres pas. Comment Isaac, t'es nul? Non, non. Si tu n'acceptes pas la porte avec ses quatre couleurs, tu ne rentres pas. Ou tu prends tout, ou tu prends rien. Amen. Jésus va s'imager, lui. Il va prendre une image. Il va dire dans Jean 15, il dit, je suis le cep. Il dit, vous êtes les serments, mon père le vigneron. Alors bien sûr, on comprend. Que le cep, eh bien, c'est lui qui porte les serments, la sève coule à travers lui, et passe par les serments, et si on porte du fruit, c'est par rapport à la sève. Donc on comprend, gloire à Dieu. Mais Jésus aurait pu dire, je suis un pommier, et vous êtes des pommes. C'est pareil. Le pommier, il est enraciné, la sève passe par le tronc, et le fruit sort par les branches, vous comprenez. C'est pareil. Mais Jésus, non, ne sait pas, n'a pas pris l'image d'un pommier. Il n'a pas pris l'image non plus d'un cerisier, ni d'un mûrier. Jésus a pris l'image d'un cep, un pied de vigne. Et certains diront, pourquoi Isaac? Parce que si Jésus aurait pris l'image d'un pommier, un pommier, s'il nous plaît pas tel qu'il est, on peut le modeler, on peut en faire un meuble. Un cerisier, s'il nous plaît pas tel qu'il est, on l'élave, on coupe les branches et on en fait une table de chevet. Le seul arbre qui est immodelable, c'est le pied de vigne. Si le pied de vigne ne te plaît pas tel qu'il est, laisse-le. Tu ne pourras pas en faire une table de chevet. Tu ne pourras pas en faire un meuble. Tu ne pourras pas le modeler. Je suis en train de lire. Il est en train de lire. Je suis le saint. Quelques mots. N'essayez pas mais de me modeler. Vous n'y arriverez pas. Amen. 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 À Dieu soit la gloire. Il y a eu un jeune homme qui a essayé un petit peu. Il lui a dit, bon maître. Bon maître. En disant, bon, je vais essayer un petit peu de te modeler et je t'attirerai un petit peu dans les filets. Comme des personnes, quand ils invitent quelqu'un à faire leur main jusqu'eux, ou quand ils sont trop gentils, hein, chez nous le dit, tu vois, il veut quelque chose, celui-là, c'est pas normal. Hein? Eh bien, ce jeune homme a fait un petit peu pareil. Bon maître! En quelques mots, je te dis que toi, tu es bon, tu n'es pas comme les autres, toi. Toi, tu vas me comprendre, toi. Tu vas m'amener au ciel, de la façon que je te le dis. Tu vas pas me disqualifier. Et Jésus le stoppe d'entrée. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Voyez-vous, frère et soeur, Jésus est immodelable. On ne peut pas le modeler. À Dieu soit la gloire. Alléluia. De toute façon, frère et soeur, amen, nous ne voulons pas le modeler. Amen. Il est parfait. Il est bon. Amen. Amen. Nous le voulons tel qu'il est. À Dieu soit la gloire. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Si tu veux rentrer dans le tabernacle, il faut que tu acceptes Jésus dans toute son intégralité. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que Jésus soit Dieu dans notre vie. Nous voulons qu'il soit notre sauveur, qu'il nous purifie par son sang précieux. Amen. Mais nous l'acceptons aussi comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Nous voulons, amen, qu'il mette sa loi dans notre cœur. Amen. Et nous voulons, amen, frères et sœurs, être conduits par sa loi. Amen. Et si lui, frères et sœurs, règne dans une vie, ce n'est plus tes lois qui te dirigent. C'est sa loi à lui. Amen. À Dieu soit la gloire. Mais il y a des personnes qui font comme la nation d'Espagne. La nation d'Espagne, elle a un roi et elle a un président. C'est-à-dire que quand on parle du roi d'Espagne, eh bien, on parle du eh bien, là-bas, Madrid, je crois qu'il s'appelle Felipe. On parle du fils de Juan Carlos. Le roi, c'est lui, la couronne, c'est lui qui la porte. Et eh c'est lui, peut-être, quand on parle de la couronne d'Espagne, eh bien, c'est lui qui apparaît. Mais dès que le roi essaye de d'imposer une loi dans son pays, le président se lève et dit, hop, celui qui impose, qui met, qui change les lois, c'est moi, c'est pas toi. Toi, tu es la couronne d'Espagne pour les autres nations.
Mais les lois, c'est moi qui les fais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça, qui sont semblables à la nation d'Espagne. Ils veulent que Jésus soit leur roi, mais dès que Jésus veut imposer sa loi, il leur dit, oh, non, je t'accepte là comme roi dans mon cœur, mais tes lois, garde-les pour toi, c'est moi qui mets mes propres lois. Et ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Oh, je suis gitano, moi je suis catalan, je suis gitano, mais chez moi c'est comme ça, oui, chez toi c'est comme ça, mais ça c'était avant !» Amen. Amen. Jésus a dit « Vous avez appris que !» Il dit « Maintenant moi je vous dis !» Alléluia. Et quand Jésus est rentré dans notre cœur, amen, il nous a dit ceci, « Autrefois t'as entendu par tes pères qui étaient comme ça, mais maintenant je règne dans ton cœur, maintenant moi je te dis. » Et c'est plus pareil. Alléluia. Et nous voulons, amen, le laisser régner. Et si vous êtes d'accord, dites amen. Ah, Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni. On continue un peu plus loin. Non, non, si vous dites pas amen, amen, je continue pas. Est-ce qu'on continue un peu plus loin? Alléluia. Oui, dès qu'on rentrait par la porte qui est une représentation du Christ dans toute son intégralité, amen, on tombait nez à nez, amen, avec l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes n'était pas sur un coin à gauche. L'autel des sacrifices n'était pas sur un coin à droite. Non, non. Dès qu'on passait par la porte, on tombait nez à nez avec l'autel. Ça veut dire que l'autel barrer la route. Elle te barre la route. L'autel est encore une représentation encore de Jésus, amen, Dieu, homme. D'ailleurs, le mot autel veut dire lieu élevé. Qu'a dit Jésus? Il dit, et si le Fils de l'homme serait élevé, il attirerait tous les hommes à lui. Amen. Alléluia. Oui, amen. Il était fait en bois d'acacia. En bois d'acacia. Le bois d'acacia, frère et sœur, c'est un bois qui est très, écoutez, un bois qui est très résistant, qui est très léger et qui ne pourrit pas au contact de l'eau. Je me répète, le corps, l'autel sacrifice, était fait en bois d'acacia. Et je me répète, même pour que ce soit bien dans votre cœur, le bois d'acacia, qui représente l'humanité de Jésus, le bois d'acacia, 1, il est très résistant, 2, il est très léger, 3, il ne pourrit pas. Regardons ces 3 points de plus près. Très léger, c'est-à-dire pesant très peu. Jésus n'est pas venu ici pour faire peser sur les hommes un joug insupportable, mais au contraire. Jésus a dit, prenez mon joug et doux, et mon fardeau est léger. Amen. Deuxième point, le bois d'acacia était très très résistant. Oui, Jésus a résisté à tous les assauts du diable sans plier un instant. Il ne s'est jamais pitoyé sur lui-même et a supporté à Gethsémané tout le poids de la colère et du jugement de Dieu. Amen. Troisième point, amen, il est très résistant. Il ne pourrit pas au contact de l'eau. Jésus a vécu au milieu du monde, amen, sans être contaminé par le monde, amen. Le monde n'a pas pu pénétrer, ni dans son cœur, ni dans ses pensées, amen. Jésus était saint. Alléluia. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Alléluia. On continue. Amen. Ça, c'est le coffre qui était en bois d'acacia. Mais le coffre qui était en bois d'acacia, qui était l'autel des sacrifices, Dieu a dit à Moïse, amen, qu'il fallait qu'il recouvre d'airain. Le coffre en bois d'acacia, il fallait qu'il soit recouvert d'airain. Et l'airain, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce n'est rien d'autre que du bronze. C'est pareil, du bronze. Les reins, c'est du bronze. Le bronze représente, écoutez, la justice. Les reins représentent la justice. Et pour faire de l'airain, écoutez, pour faire de l'airain, c'est pas un matériau qui est pur. L'or est un matériau qui est pur. L'argent est un matériau qui est pur. Le bronze, non. Pour faire du bronze, il faut la fusion de deux métaux. Il faut du cuivre et de l'éther.
Alléluia, amen. Et quand on fissionne le cuivre et le létain, ça fait du bronze. Eh bien, déjà, le bronze représente encore Jésus homme. Alléluia. Il a fallu pour que la justice de Dieu se manifeste et s'accomplisse, amen, en Jésus, il a fallu, amen, fusionner comme l'étain et le cuivre pour faire du bronze. Eh bien, il a fallu fusionner la nature divine de Dieu, fusionner dans la nature humaine. Amen. Jésus, amen, Dieu, amen, matérialisé dans un corps humain. Ces deux natures, amen, ont fusionné. Alléluia. Et il a pu, créer ça. Il a pu, amen, accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Est-ce que je peux continuer un peu plus? Amen. Alléluia. Amen. Oui, sans l'autel des sacrifices, écoutez. Sans l'autel des sacrifices. Amen. Mais la nuée. Alléluia. La fumée qui sortait de l'autel des parfums. Il fallait qu'elle soit alimentée, amen, par ceux qui avaient embrasé l'autel sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu, amen, n'accepte pas un culte. Jamais, là où la croix de son Fils n'aurait pas, amen, la place centrale. Amen. 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 Est-ce que vous êtes bien ce soir? Amen. Je continue un peu plus. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. De même, il n'y a pas de relation possible entre Dieu et les hommes en dehors de la croix de Jésus. Amen. Il n'y en a pas. C'est pas possible, frère et sœur. L'autel a été placé, amen, en premier. On ne pouvait pas passer sans le voir. On était obligé de le voir. L'autel te barre la route. Et l'autel a un langage. Le langage de l'autel, c'est celui-ci. Amen, ton ambition est grave. Tu veux rentrer dans le Saint-Saint. Mais si tu ne passes pas par moi, tu ne rentres pas. Ça, c'est le langage de l'autel des sacrifices. Oui, la dimension, amen, écoutez, de l'autel des sacrifices, dépasser la dimension de l'autel des parfums. Dépasser la table des pleines propositions. Écoutez, la dimension de l'autel sacrifice dépassait même le coffre de l'arche de l'alliance. La dimension était plus grande. Et tout a été voulu par Dieu pour nous faire sentir la place, amen, et les dimensions que la croix doit avoir, amen, dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu soit loué. La croix, frère et sœur, quand vous lisez la Bible, de la Genèse, amen, à l'Apocalypse, la croix, elle est là. Elle apparaît, le sang apparaît de partout. Quand vous lisez Genèse 3:15, le premier livre de la Bible, il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui perceras le talon. Oui, l'agneau est là. La croix est là. Le sang est là. Et dans le dernier livre de la Bible, à l'Apocalypse chapitre 5, verset 6, amen. Et je vis au milieu des trônes et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. La croix, frères et sœurs, et l'autel, amen, doit avoir la place centrale dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu soit loué, que Dieu soit la gloire. Et tu me diras, Isaac, il y en a assez dans la série. Non, on continue un peu plus par rapport à l'autel sacrifice. Amen. L'autel sacrifice qui représente Jésus sur la croix. Non seulement par rapport au bois d'acacia, mais par rapport aussi à l'évêne. Mais aussi, frères et sœurs, dans l'arche, dans l'autel sacrifice, dans chacun, il y avait des cornes. C'était ça, vous voyez, c'était un carré comme ça. Et dans les quatre angles, là, il y avait des cornes qui sortaient. Et la corne nous représente, frères et sœurs, là où le taureau, amen, concentre à projeter toute sa force, son impact. Vous voyez, quand un taureau charge son adversaire, eh bien, il baisse la tête et il met les cornes en avant. Et toutes les forces qu'il y a dans son corps musculeux, amen, et le taureau concentre tout, amen, dans l'impact qui sort à travers ses cornes. Eh bien, l'autel des sacrifices, frères et sœurs, il y avait quatre cornes, une corne à chaque angle. La puissance dégagée par rapport à même au sacrifice. Avons-nous saisi, frères et sœurs, combien est grande la force qui émane de la croix? Amen.
À Dieu soit la gloire. Amen. La puissance de la croix, amen, qui émane, elle brise les cœurs les plus endurcis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Elle met en fuite les démons. Elle triomphe de Satan. Frères et sœurs, il émane les puissances de la croix. À Dieu soit la gloire. Mais attention, pour que la puissance de la croix, amen, ait une efficacité dans ta vie, il faut la toucher, mais non pas n'importe comment. Hein. Je vois qu'il y a des personnes qui aiment, ils lèvent leur cœur, ils lèvent leurs mains, et ils sont brisés sur leur chaise. Et d'autres personnes juste à côté, ils lèvent leurs mains et eux, ils ne sont pas sourires. Est-ce que Dieu ferait-il du favoritisme? Est-ce que Dieu voudrait toucher celui-là et l'autre non? Non, 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 c'est pas ça, frère et soeur. Le désir de Dieu, je vais l'amener après ça, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous. Amen. 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 Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Il n'a pas fait une sélection. Alors tu me diras, Isaac, pourquoi deux hommes côte à côte, assis à côté, les deux lèvent leur main, un est brisé, l'autre non. Je me répète, amen. Pour acquérir, frères et sœurs, et pour que la puissance du pardon de la croix, amen, percute nos cœurs, il faut toucher la croix, amen, non pas avec notre propre raisonnement. Il faut la toucher, frères et sœurs, avec un cœur contrit. Amen. Qu'est-ce que veut dire le mot contrit? C'est un cœur qui regrette amèrement. Ça veut dire qu'on ne touche pas la croix avec le torse bombé. On ne touche pas la croix en disant, allez Seigneur, touche-moi, voyons, allez, vas-y, allez. Non, non, on ne touche pas la croix comme ça. On touche la croix, frères et sœurs, on fait comme sur l'épreuve. Dans Marc 1, 40, il dit, un lépreux vient à lui. Alléluia. Et vous savez comment il est venu? Il est venu un, amen, se jetant à genoux, deux, avec un don suppliant, trois, et il ne lui a pas imposé. Il lui a dit, toi, si tu veux. Amen. Voyez-vous la démarche, voyez comment on s'approche de la croix. On ne vient pas avec le torse bombé en disant, bon, vas-y, fais-le, hein. Non, c'est pas comme ça. On doit prendre l'exemple de ce lépreux. Un, soulignez-le ça, à genoux. Deux, avec un ton suppliant. Trois, si tu veux. Alléluia. Et quand il y a des âmes, amen, qui viennent, amen, de cette façon-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Jésus, il peut et il veut. Amen. Adieu sur la gloire. Alléluia. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça dans la parole de Dieu. Il y en a deux. Où il y a des hommes. Un homme qui s'appelait Joab, vous le lirez dans le premier livre des Rois, au chapitre 2, verset 28. Un homme, frère et sœur, qui s'appelait Joab, et l'autre s'appelait Adonija. Deux hommes. Les deux hommes fuyaient la colère de Salomon. Et la parole de Dieu déclare, frère et sœur, qu'Adonija fuyait la colère de Salomon, il est rentré, écoutez, hein, il est rentré dans les parvis, hein, du temple, et il s'est accroché à la corne de l'autel. Et ceux qui en voulaient à sa vie l'ont vu qu'il s'accrochait à la corne de l'autel, ils se sont arrêtés. Ils sont allés trouver Salomon, ils lui ont dit, Salomon, il dit, on voulait se saisir d'Adonija, mais Adonija s'est accroché à la corne de l'autel. Et Salomon dit, il s'est accroché à la corne de l'autel? Il dit, oui. Il dit alors qu'il conserve la vie. Amen. 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 Alléluia. Par contre, il y a un autre homme qui s'appelle Joab. Je ne sais pas si lui aussi l'a pris, que ça marchait comme ça. Mais lui aussi, Salomon voulait l'obsessif de lui le tuer. Et Joab, selon ce que dit 1 Roi 2:28, lui aussi, il est rentré dans les parvis et lui aussi, il s'accrochait à la corne de l'autel. Et ceux qui voulaient se saisir de lui sont arrêtés, sont allés trouver Salomon. Le même, pareil, exactement pareil. Lui, on dit, Salomon, nous avons voulu prendre Joab, mais Joab, lui, il est rentré dans les parvis, il s'est accroché à la corne de l'autel de sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait? Salomon dit, il s'est accroché à la corne de l'autel de sacrifice. Il dit, tuez-le.
Qu'est-ce que vous comprenez? Adonija fuit la colère de Salomon, il s'accroche, il conserve la vie. Joab fuit la colère de Salomon, il s'accroche et on le tue. Ça veut dire, frère, c'est ce que ça veut dire. On ne touche pas à l'autel des sacrifices, on ne s'accroche pas à la corne, n'importe comment, hein. Et je vous le prouve encore avec la parole de Dieu. Jésus sur la croix, il était l'autel des sacrifices, comprenez, lui élevé. À sa gauche, il y avait un Adonija, et à sa droite, il y avait un Joab. Les deux ont touché l'autel. Mais à l'heure, amen, Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Et là, alors qu'il lui a rien dit. Parce qu'on ne touche pas la croix n'importe comment, frère et soeur. La croix, amen, quand on la touche, on vient avec un cœur repenti, avec un cœur sincère, avec un cœur, frère et soeur, rempli, alléluia, rempli, frère et soeur, de repentance. Le souci des personnes, c'est que on leur dit: levez vos mains et vous allez au ciel. Levez-vous de votre chaise et vous allez au ciel. Arrêtez de fumer et vous allez au ciel. Arrêtez de boire et vous allez au ciel. Arrêtez de vous moquer et vous allez au ciel. Mais écoutez, moi je connais des personnes qui ne fument pas, ils ne boivent pas et ils ne se droguent pas. Et ils sont perdus. Il semblerait parce qu'on ne boit pas, on ne fume pas, on ne se drogue pas. Et je connais des personnes même qui ne mentent pas. Et qu'on ne ment pas, ça y est, on a le ciel, il est pour nous. Mais non, frère et soeur, c'est pas ça. Amen, pour aller au ciel, il faut que les âmes, amen, pleurent sur leur misère, qu'ils produisent un fruit digne de repentance. Il faut que tu te repentes. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et quand il y a repentance, frère et soeur, amen. Alors ensuite, frère et soeur, vient la nouvelle naissance. Amen. Et parce que tu es né de nouveau, tu rentres au ciel. Nicodème, amen. Si un homme n'est des dons et d'esprit, il ne rentre pas. Nicodème connaissait le langage que Jésus lui a dit. Il savait qu'est-ce que c'était la façon que Jésus a dit. Si un homme n'est d'un esprit, il a compris d'une certaine façon. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que Jésus, lui, étant Nicodème, étant le docteur de la loi, il savait que dans la loi, un non-juif pouvait se convertir au judaïsme. Même qu'il n'était pas de père et de mère juif. Il y avait tout un rituel à faire, et s'il remplissait ces critères-là, si on lui faisait faire ces critères-là, et qu'il acceptait, alors, c'était comme un nouveau départ dans sa vie. C'était comme une nouvelle naissance. Et Nicodème a compris, il savait. Et Jésus lui a dit, Nicodème, en quelques mots, c'est ce qu'il tente de lire. Tout ton savoir que tu as, toutes ces actions que tu as religieuses, toute cette façon de consommer, tous ces efforts que tu fais, c'est pas comme ça que tu rentreras au ciel. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Et moi ce soir, je m'adresse à toi. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentres pas. Au nom de Jésus, il faut que tu acceptes Jésus. Amen. Il faut que tu l'acceptes dans toute son intégralité. En tant que blanc, en tant que bleu, en tant que poupe et chrome aussi, en tant qu'agneau, en tant que corps, en tant que Dieu, et en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Faut que tu passes dans la porte, ne la modèle pas, accepte-la telle qu'elle est. Amen, et passe par l'autel sacrifice. Alléluia. L'autel ne te demande pas d'y monter, toi, hein. Parce que si tu t'approches de l'autel, tu verras un agneau qui est là. Et cet agneau a pris ta place. Il a pris ta place. La seule chose qu'il demande, c'est que tu t'approches de l'autel et que tu le touches avec un cœur repentant, avec une foi sincère, avec un cœur contrit. Et à
ce moment-là, frères et sœurs, tu naîtras de nouveau. Amen. Alléluia. Tu dépasseras l'autel. Et tu vas cheminer, alléluia, jusqu'à le Saint des Saints qui est le ciel. Amen. Mais si tu n'es pas de nouveau, tu ne rentres pas. Les personnes qui disent, on va les baptiser, comme ça, ça va les engager, et après, ils naîtront de nouveau. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça, frères et sœurs. Écoutez, les mamans savent ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut habiller un enfant qui n'est pas né? C'est difficile d'habiller un enfant qui n'est pas né, hein? Mais c'est exactement pareil. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas né. Il faut qu'il naisse. Alléluia. Regardez Jésus, c'est une image. Avant de passer par le Jourdain, amen, il est né à Bethléem. Quelle image, le processus que nous on doit suivre, c'est naître à Bethléem, il faut que tu naisses. Et après cela, il faut que tu passes par le Jourdain. On ne peut pas passer au Jourdain si on n'est pas né. Alors il faut que les âmes, amen, entendent le véritable évangile. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de moyens pour remplir les salles. Ah, aujourd'hui, avec un petit peu là, c'est un certain lieu qui se fait. On appelle, il faut un bon chanteur, parce que sinon il n'y en a pas. Hein. La parole de Dieu, et hop, on la met de côté. Et bientôt, bientôt, on écoute 31 cantiques et 2 minutes de prédication. Et ça veut dire quelque chose, quand Jésus, frère et soeur, quand Jésus prêchait, il ne faisait pas amener les cantiques pendant des soeurs et des soeurs à Pierre, à Jacques et à Jean. Lisez les réunions que Jésus faisait. Alléluia, d'entrée, il prêchait, d'entrée, il annonçait la parole, d'entrée, d'entrée. Parce qu'à quiconque l'a reçu, quoi, la parole, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia, pour qu'il y ait un jardin, il faut qu'il y ait une semence. Et la seule semence avec qui va te faire naître de nouveau, c'est la semence de la parole. Il faut que tu écoutes bien ce soir. Si tu veux rentrer au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Isaac? Repends-toi. Repends-toi. Ne comprends-tu pas que c'est ton péché qui met une séparation entre toi et Dieu? C'est Isaïe qui va le dire. C'est mon péché qui met une séparation. Le péché t'empêche dans le ciel. Il faut que tu pleures. Pleure. Demandez pardon. Oh, il y a des personnes qui pleurent sur Jésus. Mais on ne pleure pas sur Jésus. J'avais des femmes qui pleuraient sur lui. Et Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Pour quelle raison vous pleurez sur moi? Il dit, pleurez surtout pour vous et vos enfants. Amen. Et moi je te dis, ce soir, pleure pour toi. Amen. Ton péché t'empêche d'aller au ciel. Alléluia. Isaac, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je le répète, sur ce petit que mais c'est pas grave. Il faut que ça se grave dans ton cœur. Ça marche pas, Isaac, ça marche pas. Je lève ma main. Des fois, je me lève. Des fois, je viens ici devant. Ça marche pas. Mais il faut que tu pleures sur ta misère. Amen. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu frappes sur ta poitrine comme ce publicain. Alléluia. Le publicain qui disait, sois pesé vers moi. Sois pesé. Et dans le texte grec, c'est que ça veut dire, amen, quand il disait, sois pesé vers moi, il faisait référence en disant, ne te fie pas, Seigneur, ne m'évalue pas par rapport à ce que je suis. L'autre, lui, le pharisien, il disait à Dieu, évalue-moi par rapport à ce que je suis. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la vie de tous mes revenus, évalue-moi par rapport à ce que je suis. Mais le publicain, il disait, sois pesé vers moi. Et dans le langage biblique, dans les textes originaux, il est en train de faire référence, en train de dire, sois pesé, il est en train de dire, amen, regarde le sang sur le kippourette. Le kippourette, c'est que ce kippourette, c'était le couvercle qui était de l'arche de l'alliance. Et le jour du kippour, on versait le sang dans le kippourette pour obtenir le pardon du peuple. Et le publicain est en train de dire, regarde le sang du kippourette. Regarde le sang du kippourette.
sois peu envers moi, en quelque mot, ne me pardonne pas par rapport à ce que je suis, mais pardonne-moi par rapport au sang du qui pourrait être. Est-ce que vous comprenez ça? Et tu dois te frapper la poitrine, et tu dois lui dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, mais pardonne-moi. Pardonne-moi, regarde le sang qui a été versé sur la croix du calvaire. Regarde le sang. À Dieu soit la gloire. Et nous ne voulons pas solder le salut. On ne veut pas faire au moins 50% du salut. Vous rappelez l'histoire du bon samaritain? Quand cet homme était tombé à demi-mort devant les brigands, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a fait le samaritain pour le réhabiliter? Qu'est-ce qu'il a fait? Les lecteurs de la parole de Dieu savent que je vais te le lire. Il dit, il lui versa, il avait deux fioles, de l'huile et du vin. Qu'est-ce qu'il a versé en premier? L'huile. Quoi? L'huile. Allez, lecteur, plus fort. L'huile. L'huile. Pourtant, c'est pas comme ça. Quand on se fait mal, normalement, on met du vin, l'alcool, on va désinfecter. Les mamans savent, je crois, je vous parle. Quand les enfants tombent, qu'est-ce qu'on met? De l'alcool. Et bien là, le samaritain n'a pas mis de l'alcool en premier. Il n'a pas versé le vin. Il a versé de l'huile. Amen. Ah bon, mais pourquoi, exact? Parce que l'huile, frère et soeur, c'est le message de l'Esprit Saint. L'Esprit convaincra le monde à ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. Et quand il y a acceptation de l'huile, quand il y a acceptation du message de l'Esprit qui te convainc et qui t'attire à la repentance, s'il y a acceptation de l'huile, alors après vient le vin et le sang de Jésus-Christ son Fils purifie de tout péché. Mais s'il n'y a pas d'acceptation de l'huile, le sang ne te purifiera jamais de tes péchés. Ça, c'est la règle de la parole. Amen. Mais il y a des personnes qui disent, purifie-moi par ton sang, Seigneur, purifie-moi par ton sang, Seigneur. Mais comment purifie-moi par ton sang? Accepte le message de lui là-bas. Il faut que tu acceptes le message de l'Esprit. Amen. Qui est en train de te dire maintenant même, ce soir là, il est en train de dire, repens-toi. Demande pardon. Repens-toi. Repens-toi, viens à ses pieds avec un ton suppliant. Dis-lui, Seigneur, je ne te mérite pas, pardon. Accepte le message de lui. Alléluia, si tu le fais avec un cœur sincère et vrai, je te le dis devant la présence de Dieu que c'est vrai. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, 1 Jean 1, 7, purifie de tout péché. Alléluia. Alléluia! Et quand il y a une véritable repentance, alors il y a un sang purificateur. Amen. Amen. Que si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, deviendront blancs comme le neige. Amen. Mais pour cela, frères et sœurs, alléluia, il faut que tu acceptes la porte. Je vous pose une question. Qui veut aller en enfer? Levez vos mains. Il n'y en a pas un. Gloire à Dieu. Alors comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aller en enfer, mais il ne faut rien pour les quitter? Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Alors passe par la porte. Gloire à Dieu. Oui, mais la porte, s'il y aurait que le cramoisi encore, le sang qui me purifie, je le sais bien, s'il y aurait que le bleu, si Dieu, la besoin d'un Dieu qui protège, qui garde, qui dirige, qui conduit, qui guérit, la besoin d'un Dieu. Je suis homme, si je l'accepterai, la première place, mais ce qui m'embête à moi, c'est l'accepter en tant que pourpre, parce qu'il m'a imposé sa loi dans ma loi. Et donc, il va falloir que je fasse ceci, je pourrais plus faire cela, et ceci, et ça m'embête. Gloire à Dieu. Et si tous les chemins mènent à Rome, il n'y en a qu'un qui va au ciel. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, et quoi? La vie. Et la vie. Amen. Vous avez vu ce texte? Comment il est mis dans l'ordre? Il ne dit pas, je suis la vie, le chemin et la vérité. Non, non, ça c'est dans les ordres. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi tu dis ça, Jésus?
Parce que Jésus est en train de te dire, tu veux la vie? Oui. Oui, je la veux la vie. Je la veux. Alors il faut que tu marches dans le chemin. Amen. 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 Et si tu marches dans son chemin, amen, son chemin, amen, va te dévoiler la vérité. Amen. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu vas passer toute ta vie entre la vérité et le chemin. Le chemin et la vérité. La vérité et le chemin. Le chemin et la vérité. Mais tu n'auras jamais la vie. Mais si tu es dans le chemin, si tu acceptes la vérité, alors tu auras la vie. Amen. Ça, c'est l'enseignement de la parole. Amen. Il dit, et si la vérité, alléluia, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Amen. Tu me diras, Isaac, mais je crois, moi. Ah bon? Et tu crois que ça peut faire de toi un sauvé parce que tu crois? Moi, je connais des démons qui croient et ils sont perdus. Ah oui, c'est écrit dans l'Épître de Jacques, il dit, le 19, il dit, tu crois en Dieu, il dit, tu fais bien. Il dit, les démons aussi, ils croient, hein, ils tremblent. Eh oui, je crois. Il y a même des fois, quand il y a des fois des étrangers qui blasphèment contre Dieu, ah, oh, je suis capable de m'énerver contre lui, dis pas ça sur Dieu, hein. Dieu le sait que je l'aime, Dieu le sait. Jésus a dit, celui qui m'aime. Oui, amen, amen. L'aime la suite. C'est celui qui garde. Il n'y a pas plus grand, amen, il n'y a pas plus grand signe, amen, de démontrer l'amour qu'on a pour Dieu que de garder sa parole. Le fait de la garder, amen, on est en train de prouver l'authenticité de la vérité de notre cœur, comme quoi on l'aime. Alors je crois, c'est pas parce que tu crois que tu iras au ciel. Tu peux être un croyant lié, un croyant enchaîné, et je me répète, hein, on peut être un croyant et être lié par un esprit mauvais. Mais Jésus a dit à ses croyants, dans Jean 8:31, vous connaîtrez la vérité. Ça ne suffit pas seulement de croire. Il faut que tu acceptes maintenant la vérité. Amen. Et la vérité te rendra libre. Amen. Alléluia. Et te croyant, amen, tu passeras après à disciple. Amen. Amen. Et un disciple, amen, ne marche plus après par la croyance, il marche même par la foi. Amen. Alléluia. Alors tu me diras, alléluia, nous les disciples de Jésus, on n'est pas des croyants? Si, tous les disciples de Jésus, nous sommes des disciples croyants, mais pas tous les croyants sont disciples. Écoutez, amen, tous les disciples, amen, nous sommes croyants, mais pas tous les croyants sont disciples. Amen. Alléluia, parce que nous les disciples croyants, amen, nous sommes des disciples parce qu'on a été affranchis par la vérité. Amen. Mais si tu es un croyant qui n'est pas affranchi par la vérité, tu resteras un croyant lié, enchaîné, enténébré, sans être disciple. Alléluia, et le disciple demeure à la maison de son maître. Amen. Adieu, soit la gloire. Amen. Alors, on pourrait continuer plus loin, mais je pense même qu'on va arrêter là. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on courbe nos fronts. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et ce soir, amen, là, dans la calandre où tu te trouves, au nom de Jésus, repens-toi. Amen. J'aimerais qu'on prenne un cantique, alléluia. Courons à l'avant. Et j'aimerais même que rester le temps du cantique dans ce recueillement. Ferme tes yeux. Amen.